Et oui, vous êtes bien dans l'ascenseur du bonheur dans The Big Gamowski. Tous les jours 19h, tous les jours un nouveau stream. Aujourd'hui, on va s'aventurer dans un shmup un petit peu bizarre et assez vieux, qui s'appelle Metal Black. Metal Black, ça date de 91, c'est fait par Taito, donc c'est supposé être de la bonne came. Ceci dit, j'en suis pas réellement persuadé. Alors oui, on a un scroller horizontal. Qui est-ce qu'il est? Avec des petits... comment on appelle ça? Ces petits trucs qui tournoient là. Ces petites sphères par trois, ces molécules, on va dire. Enfin bon, il faut rattraper les molécules pour pouvoir augmenter votre beam tout en bas, qui est en fait votre arme super bombasse de la mort. Et pouvoir espérer mettre une purée de branlée à ce genre de choses. Vous avez pigé le concept? Bon. On décède et on fait une partie pour voir la tête que ça a, si c'est jouable. Alors très honnêtement, je ne connais pas du tout ce titre. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne l'ai jamais croisé. Vu qu'il vient après une vague d'autres jeux qui sont très réussis. J'ai un petit poil le doute, quoi. Je ne sais pas. Bon, ils sont super tes poissons. J'ai appuyé sur Start, j'ai mis des sous. Veux-tu bien démarrer? Ce serait bien. En avant, mon kiki. Alors, on a de la grosse scène d'intro. Ça se faisait bien passer un temps. Ouais, t'es un super homme avec un super vaisseau. Oui, il n'y en a qu'un, donc un vaisseau. Et tu vas rusher à travers les niveaux pour défoncer du mutant, défoncer de la bestiole, défoncer tout ce qui bouge, quoi. Donc ça, on vous l'écrit dessus, c'est les power-up pour monter. Bah, regardez la jauge en bas. Non, on n'est pas dimanche. Qui n'est pas de la jungle? Alors, les avions qui font des dos carpés comme ça, j'en ai pas beaucoup vu, à vrai dire. IRL. Mais... Oui, je joue comme une burne. Mais c'est un peu fait exprès. Mais je disais à propos des avions, là. Voilà, le dos carpé des avions. Ça, vous le faites plus. Vous arrêtez. C'est plus la peine. Niveau crédibilité, là, on est au niveau du... On est au niveau zéro. Alors, voilà un ermite. Qui s'appelle Bernard, hein, comme tous les ermites. Et moi, je vais laisser les bonus flotter autour de moi, vu qu'il m'accompagne, hein, ça serait con de pas en profiter, histoire de mieux pouvoir mettre une branlée à Bernard, auquel il lui prendrait quelques velléités que je ne saurais agréer. Et là, les bonus, je vais un peu faire exprès de ne pas les prendre, alors ça va devenir dur de ne pas les prendre. Tout simplement parce qu'on a une avalanche de grenouilles. Alors, ne cherchez pas à comprendre, hein, c'est comme ça. Le jeu, il est comme ça. Et je me suis pris une grenouille sur le cockpit en plus. Donc je comprends pas trop ce jeu. Parce que c'est fait correctement. Mais niveau jouabilité, pour l'instant, on en est au stade n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est même pas n'importe comment, quoi. C'est que pour l'instant, en plus, c'est relativement cohérent comme environnement. Mais il n'y a pas de vraie difficulté, personne ne me tire dessus. De là à dire que je m'emmerde, c'est un mot que je vais utiliser dans pas longtemps. Et heureusement, nous avons notre ami guêpe mutante qui arrive et que je vais aider directos. Non, je vais attendre un peu avant de lui mettre un bon coup dans la gueule. Mais il me bouffe mes bonus, ce gros con. Je sais pas ce que j'ai pris, mais ça m'a fait super mal. Je ne cherche pas à comprendre plus loin. Mais arrête de me bouffer mes bonus!
C'est un peu vif. C'est un petit poil vif. Ça doit être l'émulation, une fois de plus. Alors, par chance, ça se cancelle, ça, parce que sinon, je m'en serais pris plein la gueule. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais ça fait super mal. Mais il a eu mal avant, c'est ma grande chance. Alors là, vous avez un grand silence, mais je ne sais absolument pas quoi penser de ce jeu. C'est dramatique. Voilà, je vois des idées, je vois. Bah voilà, là on a un mode où on doit locker carrément, on passe dans une pseudo 3D à la space arrière, et il faut locker les ennemis. Et là, j'appuie sur le tir, donc on attend 5 secondes que ça parte. C'est un bonus stage, donc le but c'est de me faire perdre du temps. Donc chaque séquence, c'est tu tires, et puis là tu vois l'ennemi verrouillé qui va se prendre le missile de plus ou moins près. Et à certains moments, on n'y comprend quasiment plus rien. Alors, je vois mon vaisseau et je vois l'ennemi. C'était les moyens du bord à l'époque, on va dire. Les moyens du bord. Faire de la fausse 3D avec du bon vieux bitmap. Il y avait une intention, mais je suis pas persuadé qu'elle soit quand même vachement agréable. Cry for the moon. Pour l'instant, je cry pour ton jeu, parce qu'il est quand même bien bichidon, comme on dit. Ah, oh, le petit tir. On avait dit quoi à propos de derrière? Oui, toujours pas. Et non. Bah, je vais pas commencer à me laisser faire, là, dites donc. Oh, des bonus, comme c'est sympa d'y penser. Ça fait un peu comme quand un invité vient le dimanche pour le thé, quoi. Vous faites, ah, il a amené des petits gâteaux. S'il a pas amené de petits gâteaux, vous faites, bah, je t'en vais à quelle heure? J'exagère un poil. Quoi que non. Non, non, je n'exagère pas du tout, en fait. Oh! On va se calmer, les machins, hein? Alors, heureusement qu'on peut cancel leur damné petit tir à la con, là, parce que c'est purement mortel. C'est quoi, ça? Ok, des étoiles. Bien, 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 bien. Ah, puis elles ont tout du pénible. Hein. Il y a des espèces de sushis qui tentent de pénétrer dans l'écran. Ah, mais oui, mais il faut pas les laisser pénétrer dans l'écran, dites donc. Ouh là là, ouh là 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 là. Regardez-moi ce gros malheur. Alors, note pour plus tard, les sushis ne sont pas tes amis. Lui non plus, je pense d'ailleurs. Ah, ils ne se cancel pas en plus. Ça risque de pas être funky. Et non, je suis là-haut, gros couillon. Apprends à tirer. Je crois que je vais te mettre un coup de laser si tu continues. Alors, le pire, c'est que le jeu est maniable. Mais les vagues d'ennemis qui arrivent sont relativement. Ah, bah oui, ça, je pouvais pas le prévoir. Mais j'étais en train de dire qu'elles étaient ennuyeuses. Et un truc qu'on peut pas prévoir, c'est pas forcément signe d'originalité, quoi. C'est signe d'une jouabilité qui est un petit peu foirée, peut-être. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hop, je tire ma bombe parce que ça me fait purement plaisir. Alors, avec ma cuillère, apparemment, je peux quand même avoir une petite chance de défoncer les vaisseaux qui s'aventureraient par derrière. Malgré qu'ils sachent que non, pas par derrière. C'est comme ça. Oula, 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 alors bouge pas, j'ai rechargé mon truc à fond. Je vais attendre que monsieur veuille bien se stabiliser un peu. Pour lui faire le coup de mange ta purée.
Ouh là là. Je n'aime pas beaucoup ce laser. Il ne m'aime pas non plus, de toute façon. On n'a jamais été fait pour s'entendre. Il serait temps de mettre un terme à cette relation. Alors, je ne sais pas si c'est la fatigue, la compassion ou toute autre chose, mais je vais valider cette saloperie de jeu. Tout simplement parce qu'en fait, y a un boulot d'originalité. Maintenant, la jouabilité, c'est pas ça. C'est raide, c'est. C'est un peu comme quand on se met dans une couette et qu'il n'y a pas eu d'assouplisseur, quoi. Enfin, c'est un mauvais exemple, mais vous avez bien saisi ce que je voulais dire. On saisit totalement les intentions qui ont été fournies. Merde. Vas-y, fais-moi le coup que ça devient injouable dès que je n'ai plus un tir potable. Je suis habitué, je m'énerverai juste comme d'habitude, c'est pas grave. Il est pas terrible, terrible quand même. Faut dire ce qui est. Bon, là, on va commencer à pouvoir discuter. Je suis bien ici. Je suis très bien. Quel dommage, plein de bonnes idées et un boulot foutu en l'air, je ne sais pas pourquoi. Parce que les gars ce sont quand même des carcassés à faire. Bon. Le fond, c'est pas super compliqué. Mais il y avait une intention. Les bestioles, elles sont ce qu'elles sont. Mais merde! J'ai pris le laser! Toujours se méfier du laser. Très très étrange. On va se faire un bout du tableau suivant pour voir si ça s'améliore. Mais je pense que je rêve un peu. Oh ce mode! Oh ce mode! Ah oui, il y a un effet de 3D. Mais était-ce vraiment bien utile en fait? Alors le truc dommage, c'est que sur mon retour, j'entends pas du tout les sons. Donc j'ai pas la musique qui a l'air pas mal. Ah oui, j'essaie de trouver des trucs sympas à dire. Parce que pour l'instant, ce jeu est quand même relativement triste. Ses patterns ben, sont pas surprenants, sauf quand c'est des histoires de vitesse. Mais on se balade, quoi. Passage en couloir, peut-être que je vais regretter un peu ce que je viens de dire. Oulala, oulala, il a attendu le troisième niveau pour commencer à faire des trucs marrants. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est le truc. On ne peut pas savoir si on s'est pas pris une première fois sur la gueule. Et c'est un poil dommage. Et là, je crois que le niveau va devenir purement imbitable. Permettez mon expression usuelle. Ouais, c'est bien ça. Là, on est en train de me faire ma fête. Parce que l'autre en bas, je le flingue comment? Eh oui. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je vais faire de ce jeu? Est-ce qu'on le met dans les sélectionnés? C'est la grosse question que je me pose. Parce que il n'est pas totalement mauvais. Il est même correct. Mais le fameux je ne sais quoi. Regardez-moi ça. Il y a même des changements de direction. Donc faut oser, c'est pas con. C'est loin d'être couillon, quoi. Il y a de l'idée, il y a de l'idée, mais on va le mettre dans les sélectionnés. Mais il n'ira pas plus loin parce que c'est assez incohérent. C'est quoi ce truc-là? Ah oui, les 5h30, 6h, le camion poubelle passe, si vous l'entendez dans le retour.
Je vais bomber là, je crois que j'ai plus que ça à faire. Je veux bien des petits trucs. Oula. Ah, mais tu es venu avec ton grand frère. Il fallait le dire au début, ça. Bah oui, mais moi j'avais pas prévu, j'ai passé ma bombe. Ça va pas être possible maintenant. On va beaucoup moins bien s'entendre. Je crois même qu'on ne va pas s'entendre du tout. Il faut être d'une clarté limpide. Alors, qu'est-ce que je dois flinguer? Le petit bras ou la boule? Non, la boule t'es vide déjà. Ok. Non, 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 c'est le bestiau qui se déplace à quatre pattes là. Non, 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 pas en haut, pas en gros. Donc là, on a une partie mémorisation, tous les trucs qu'on déteste. Et du coup, ce truc-là ne peut pas me toucher, mais il sert à quoi? Ah, mais il peut me tirer dessus. Ok. Pop, 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 pop. Des fautes impardonnables, quoi. Parce que ce truc était vraiment riche en idées. Mais le truc est foutu par un gameplay qui est assez hasardeux, on va dire. Il y a des passages, on s'emmerde royalement. Il y a d'autres passages, c'est relativement infaisable. Tant que je tire dans cette saloperie, ça empêche le bras de sortir, apparemment. Laisse-moi me le finir. Alors, ce que je vais faire par curiosité, on va avancer un petit peu. Parce que je veux voir toutes les originalités qu'ils ont été capables de glisser là-dedans. Ah non, pas ce bonhomme moustache. Et en plus, c'est pas agréable, c'est pénible. Quand les missiles partent, c'est pénible. Ça a des couleurs proches de la gerbouille. En fait, ce jeu, on dirait un brouillon de ce qu'il aurait pu être en version finale. Je suis méchant, mais... Il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a des envies de faire un truc bien. Mais c'est super mal exprimé, quoi. Alors, je sens que ça va être ma fête, là, parce que... Passage plus exigu, bestiole que je ne connais pas. Eh oui, on n'a pas été présenté. C'est important d'être présenté avec les bestioles, dans les shmups. Oh là là, les énervés. Oh, les énervés, laisse tomber. Il faut que je creuse mon chemin. Super. C'est quoi, les gars? Vous me gonflez. Je sens qu'on est sur un niveau purement imbitable. Regardez-moi ça. Ça, c'est une bonne idée. La capture qui vous empêche de vous déplacer comme vous voulez. Il y a de fucking bonnes idées, mais ça accroche pas plus loin, quoi. C'est l'ennui profond. Je crois qu'on va se mettre juste devant le boss, puis on va s'arrêter à ce niveau, parce que ça a aucun intérêt d'aller plus loin. Pour l'instant, le fait d'arriver à passer les niveaux tient plus du random qu'autre chose, quoi. Et là, apparemment, faut mémoriser un minimum les passages, sinon on se met tout seul dans le caca. Ce qui n'est pas super sympa, quoi. Bah, disons que les joueurs de la première fois comme moi ont juste une envie, c'est de tout envoyer bouler.
Comment ça, je m'applique? Non, pas du tout, pas du tout. Vous verriez ma tête, je suis totalement dépité en fait. Je suis déçu que autant de bonnes idées aient pas trouvé le moyen de s'exprimer pleinement comme elles méritaient, quoi. Les mecs, ils avaient plein de bonnes idées, ils ont fait le boulot de gras et tout. C'est juste leur gameplay qui a la ramasse totale, quoi. Ça, c'est du gros poisson, dites donc. Alors, déjà, pas rester en face, c'est une bonne idée. En faire le tour, c'est une probable seconde bonne idée. Attention les boulons, madame. C'est un peu nawak, mais bon, on va dire que je vais m'y faire. Non, 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 non. Ah bah voilà ce qu'on voulait voir depuis tout à l'heure. Moi aussi je peux faire pareil, monsieur. Eh oui, faut y penser à ça. Alors, les petits chasseurs sournois, les petits missiles sournois, c'est... Oui, c'est pas évident à passer dans ce sens-là. Surtout que j'ai pas de tir à arrière, donc je risque pas d'impressionner grand monde. Là, c'est celui qui tirera le plus vite. Donc là, je pianote à fond ma touche comme un abruti. Je ne vise rien. J'essaie juste de cancel tous ces tirs. Et j'ai pas eu le temps de lui en mettre un dans le buffet, donc du coup, si on regarde bien. Oh, la vitesse des petits missiles, mais laisse tomber. Me laissera-t-il faire un tour complet sans me mettre encore une dérouillée? Rien n'est moins sûr. Aïe, 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 continue, il me remet la bombe à zéro. J'ai plus le groove là, j'ai plus le groove du tout. Alors j'ai pas compris ce qui se passe quand on fait des tirs comme ça et que l'autre réagit plus ou moins bien, on va dire. C'est injouable, c'est injouable ces parties-là. On va arrêter ici, c'est moi ça me gonfle. Donc que j'ai bien de bâiller pendant un stream, vous n'en avez pas idée. 6 heures pétantes vient de sonner et donc ce projet Gun Frontier 2 qui s'appelle également Metal Black, il est validé de justesse, mais c'est pour montrer ce que c'était de bonnes intentions qui n'ont pas vraiment abouti en fait. Et c'est vraiment dommage. Et on arrivait au point où les joueurs eux-mêmes regrettent que le jeu soit aussi con sur son gameplay, c'est quand même vachement triste parce qu'il y avait un énorme potentiel à la base. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain 19h encore avec un nouveau stream, avec un nouveau jeu et avec toujours le même présentateur. Ciao!